Ancien international ivoirien, notre invité de ce jour a été capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Durant sa carrière, il a évolué dans de grands clubs, l'Inter de Milan, le Milan AC ou encore l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, il préside un syndicat des footballeurs dans notre pays. Vous l'avez sûrement deviné, c'est Cyril de Moreau, le président de l'AFI. On le rejoint pour l'entretien. Enfin Cyril, allez, à vos places. Bonsoir Cyril de Moreau, comment allez-vous? Bonsoir Maurice, comment ça va? Mais ça va très bien. Un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Après les éléphants, la campagne avec cette équipe pendant la trêve internationale, comment vous avez vécu tout ça? On a eu une trêve bien chargée. Après ces 10 jours de stage, j'ai pris le temps de me reposer un peu pour repartir dans mes activités. C'était une bonne préparation, un bon stage avec plein de bonnes choses. Vous faites partie du staff technique de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quel est votre rôle concrètement? Bonaventure, Kalou et moi, on s'occupe de la coordination. Et Aruna Dane qui est manager sportif et Ahmed Ouattara qui est conseiller du président. Donc on encadre le staff technique, on échange beaucoup avec eux. Parlez-nous du groupe actuel. Quel est l'état d'esprit qui règne au sein de cette équipe des éléphants? Il règne un très bel état d'esprit. Les garçons sont contents de venir en sélection. Ils ont envie de bien faire. Ils savent que la CAN arrive bientôt. Ils ont envie de faire quelque chose de fabuleux pour leur pays. Alors, avant leur retour en sélection, pour la dernière trêve internationale, Seko Fofana et Wilfried Zaha étaient très souvent absents. Quelles sont les raisons de leurs absences répétées dans cette équipe nationale? Je crois savoir que Wilfried était blessé. Seko avait eu à échanger avec l'entraîneur. Donc ils ont eu à discuter entre eux. Et puis je crois qu'il y a eu aussi le transfert. Mais Seko aussi était blessé. Les deux derniers matchs, les absences contre le Mali et contre le Lesotho sont dues au fait que Seko était blessé et que Zahorsied était, je crois qu'il était blessé. Ouais. Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, voici nos adversaires en phase de groupe pour la CAN. Votre avis, votre analyse sur ce groupe? Le Nigeria, c'est un gros pays, c'est une grosse nation de football. La Guinée équatoriale, c'est un pays qui est en train de révolutionner son football. La Guinée-Bissau, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que j'ai pas d'informations sur ce pays. Mais si la Guinée-Bissau s'est qualifiée, c'est parce qu'elle a les qualités pour participer à cette CAN. On prend toutes les équipes au même niveau. Et ça sera à nous de montrer qu'on sera meilleur qu'elle. Est-ce que vous estimez qu'il peut être un groupe de la mort? Vous savez, le football se joue sur le rectangle vert. Là, c'est des spéculations, on peut dire ce qu'on veut. Une fois que le coup d'envoi est sifflé, bah c'est là qu'on voit qui est meilleur que l'autre. J'ai toujours eu pour habitude de ne jamais faire de pronostics avant les matchs, quoi, pendant ma carrière et même après, parce que ça se respecte le football. On respecte l'adversaire, mais on n'a pas peur de l'adversaire. C'est sur le terrain que ça se passe. Aujourd'hui, on sait qu'on a une équipe qui peut affronter n'importe quelle équipe. Est-ce qu'il y a une nation qu'il faut créer au cours de ce tournoi? On ne craint pas de nation. On sait qu'au sein de la sélection ivoirienne, on a des joueurs de qualité et de talent. Le coach est en train de mettre une équipe en place. Et je pense que la Côte d'Ivoire a souvent hissé son niveau face aux soi-disant grosses nations. On verra. Je vais vous titiller un tout petit peu. Un de vos partenaires en sélection a déclaré que dans cette nouvelle génération des éléphants, il n'y a aucun qui pouvait figurer dans l'équipe de 2006. Est-ce que vous partagez son avis? Je parle de Baki Kone. j'aime pas les polémiques. J'aime pas entrer dans les sujets polémiques. Vous savez, 2006, il y a une génération. Et puis là, il y a la génération de la CAN 2024 à Abidjan. Je pense que les joueurs qui vont composer la sélection de 2024 à Abidjan méritent d'être dans la sélection. Donc, je n'ai pas de comparaison à faire. Oui, mais vous avez été dans cette équipe de 2006. J'ai été et j'étais fier de faire partie de cette sélection. J'étais capitaine de cette sélection. Oui. Mais je ne compare pas. Il n'y a pas de comparaison à faire. C'est comme si on comparait 2006 à 92. 92, ils ont remporté la CAN. 2006, nous sommes allés au Mondial.
laissons la génération de 2023 faire son chemin. Alors, on va parler de la FIFA que vous dirigez. Quelle est la situation aujourd'hui, après votre radiation de la part de la FIFA Pro ? Mais que la FIFA existe toujours. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, qui ont été dites. La FIFA est bel et bien là. Et ses locaux sont là au deux plateaux. Les activités de la saison vont commencer. On va récompenser le meilleur joueur du mois. Et puis, il y en a pas mal d'activités des activités, mais aussi des innovations. Avez-vous entrepris des démarches pour essayer de régler le problème ? Pour l'heure, non. Pour l'heure, non. On a pris le temps de digérer, de se rémotiver pour bien repartir. Donc, pour l'instant, on est focus sur les objectifs à signer, les objectifs à atteindre pour le bien-être de nos footballeurs. Quelles sont les répercussions de cette décision aujourd'hui sur l'association ? Bah, c'est quoi ? C'est financier. C'est une suspension. Ils ont retiré la subvention. C'est à nous maintenant de démontrer que sans ça, on peut fonctionner. On a fonctionné sans ça. Quand on a créé l'association, elle était financée avec des moyens propres. Et puis c'est à force de travail qu'on a pu percevoir ces subventions. Donc on va repartir comme on a commencé. Où trouvez les finances pour essayer de faire vivre l'association et l'activité ? On perçoit une subvention de la Fédération Ivoirienne de Football. Et on a des partenaires qui croient en l'association et qui croient au projet et à la vision qu'a la FIFA pour les footballeurs ivoiriens. Sans langue de bois, à combien s'est élevée la subvention que vous allouait la FIFA Pro ? À combien elle a commencé, il faut dire. Parce qu'on parle beaucoup de combien on a commencé avec 6 millions. Avec 6 millions, on a commencé. Et on a glané des subventions parce que le travail était bien fait. Parce qu'on ne pensait pas que dès que vous commencez, on vous alloue ce montant-là. On a commencé avec 6 millions de francs CFA. C'était 10 000 dollars. C'est moins de 6 millions. On a commencé avec moins de 6 millions. Et puis, en 2020, on était à peu près à 120 millions. Donc ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été abattu. Et on a atteint les 120 millions parce que on avait un 13e mois par le travail qui a été abattu, le travail sérieux qui a été abattu. Est-ce qu'aujourd'hui vous en voulez aux responsables de la FIFA Pro et de la FIFA Pro Afrique ? En vouloir ? Oui. Non, j'en veux à personne. On n'en veut à personne. On sait pourquoi c'était fait. Et d'en parvenir là-dessus. Aujourd'hui, on cherche à polir l'image de la FIFA parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été dites. Il y a eu un matraquage sur ma personne, sur la personne d'Aruna, d'Ahmed, parce qu'on n'avait pas fait un choix. Et je lui aurais dit, il n'y avait pas de choix à faire. Parce que ça avait été déjà dit longtemps avant. Donc on a continué tout ça à lancer. Et donc c'est de ce fait-là que tout est arrivé. Voilà. Mais je n'en veux à personne et je ne regrette rien, mais rien du tout. Zoromak est président de l'UFPCI, un nouveau syndicat des footballeurs ivoiriens. Quels sont vos rapports et dites-nous, est-ce que votre structure collabore avec l'UFPCI ? La structure, non, on n'a pas encore eu d'approche. Je n'ai pas encore eu d'approche avec la structure de Zoromak. J'ai entendu dire qu'il y a certaines approches, mais j'ai pas encore eu de rapport au plan professionnel pour changer sur les différents projets, sur la vision par rapport aux footballeurs. Vous savez, tout le monde peut créer son association et je n'irai jamais me plaindre de cela parce que c'est réfléchi. Le plus important pour nous, à la FIFA, c'est les footballeurs. Donc maintenant, tout ce qui vient après, ça nous importe peu.
En vous entendant, on a le sentiment que vous et Zoromak, vous ne vous parlez pas. Est-ce que c'est vrai? À l'instant, on sort d'un événement, on a rigolé ensemble. On était avec Aruna, on a rigolé ensemble. Il y a tellement de choses qui se disent. Je suis au-dessus de tout ça. Et voilà pourquoi j'aime pas trop parler. Parce qu'on ne me connaît pas. Et on m'attribue certaines choses. Bah, ceux qui ne me connaissent pas, bah, tant pis pour eux, mais je ne suis pas la personne que ces personnes pensent. Ça ne vous gêne pas d'avoir un autre syndicat qui essaie de faire le même travail que vous? Vous savez, ça fait bientôt 12-13 ans qu'on existe. Si un syndicat qui vient derrière pour pouvoir faire comme nous, c'est parce qu'ils ont vu qu'on travaille déjà. Non, pour nous, nous sommes des compétiteurs. Voilà. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur la fille. Quelles sont les vérités que vous voulez rétablir aujourd'hui? Les Ivoiriens vous écoutent. Vous l'avez signifié, vous avez été vilipendé, vous, Aruna et certains qui étaient proches de la fille. Beaucoup d'éléments ont été dites sur la toile, par exemple. Ouais. On vous a traité de jaloux, par exemple. Jaloux de qui? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez quelque chose à rétablir comme vérité? Non, parce que je vois des fois des écrits sur la toile qui touchent ma personne, ils ont même touché ma famille. Vous savez, les Domoro, c'est une grande famille en Côte d'Ivoire. Et le nom Domoro, c'est pas moi qui suis l'instigateur. Mon père s'est battu pour porter haut ce nom. Mon oncle s'est battu pour porter haut ce nom. Mes aïeux se sont battus. Et moi, j'ai porté encore plus haut ce nom. Et c'est un nom qu'on respecte. Et quand je vois que des gens, par rapport à des élections, se permettre de salir et d'inventer certaines choses. C'est pas dans mon éducation de répondre aux gens sur Facebook, parce que je vois des insanités qui se disent, mais je ne réponds pas à cela parce que ça ne m'arrive même pas à la cheville, ce qu'ils disent. Quand certains disent à mes enfants, ouais, ton père c'est un faux joueur, c'est fait ça. J'ai joué dans les plus grands clubs dans le monde. J'ai joué au Milan AC, j'ai joué à l'Inter de Milan. J'ai joué à l'Espagnol de Barcelone, à Monaco, à l'Inter, à Marseille. J'envie personne. Et je ne sais pas pourquoi je vais jalouser quelqu'un. Quand tu as servi ton pays avec fierté, avec sérieux, avec amour, je pense que c'est un peu maladroit et c'est un peu méchant de, parce qu'on apprécie quelqu'un, de vouloir faire passer cette personne-là au-dessus des autres. Nul n'est au-dessus de qui que ce soit. Parce que chacun a eu sa carrière. Et ce n'est pas parce que l'autre a eu sa carrière que nous, on va le jalouser. Il faut que les Ivoiriens le sachent. Je ne jalouse personne. Et Aruna et Didier, Ahmed et les autres, on ne jalouse pas Didier. Didier, c'est un garçon que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est moi qui lui ai donné mon brassard. Et puis j'ai pas fait de polémique là-dessus. Parce que beaucoup disent non, il a polémique parce qu'il est jaloux, parce qu'il a eu le brassard. Non, c'est moi qui ai donné le jour du match au Soudan, j'ai dit que je ne joue pas ce match. J'ai dit Didier, prends le brassard. Si j'avais quelque chose contre Didier, si j'étais jaloux de Didier, j'avais pas lui donné le brassard. Quels sont vos rapports, Didier Drogba et vous, après cet épisode? On ne s'est pas rencontrés depuis. Mais pour moi, c'est du passé. Parce que parler de ça aussi, ça va encore nourrir d'autres polémiques. Et j'aime pas les polémiques. J'aime ma petite vie tranquillement, j'aime ma vie tranquillement. Le plus important, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Vous êtes membre du comité exécutif de la FIF, oui. De par votre position. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas un peu fragilisé face au président de club lorsque vous devez régler un problème d'un joueur? Je pense que vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas fragilisé par rapport à cela. Quand un dossier doit venir de la fille, je n'interviens pas. J'ai une commission composée de très grands hommes de droit que j'ai choisi dans ma commission. Quand un dossier vient d'un joueur qui ne passe pas par la fille, j'interviens. Tous les dossiers sur lesquels nous avons eu à intervenir, il n'y a pas eu de souci, tout s'est réglé. Un exemple de dossier que vous avez défendu et qui a été résolu? On a défendu 2-3 dossiers là, qu'on a défendu et qui ont été résolus. Je ne vais pas nommer les clubs ici parce que ce n'est pas le but.
Les présidents de club ne vous en veulent pas? Non, on n'a pas eu de réaction contraire à nos décisions. Et on fait en sorte justement d'être équitable. La nouvelle saison a déjà démarré. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place par l'AFI pour défendre efficacement les droits des joueurs cette année? Nous sommes en train de travailler justement sur ces mesures-là parce qu'on doit commencer à visiter les joueurs, les clubs. Et c'est quand on ira sur le terrain. Je vais vous demander de nous suivre et comme ça vous verrez comment l'AFI travaille. D'accord, on sera prêt à vous suivre, on sera prêt à vous accompagner partout, justement pour essayer de voir comment les choses se passent. Exactement. 120 000, c'est le SMIC. 160. 160. C'est le SMIC que nous, qu'on a proposé au président de club. On avait souhaité plus, mais on a eu après des discussions, on est tombé sur la base de 160 000. On espère encore gagner encore plus de encore un peu plus, mais ça sera. Ça sera en échange des échanges qu'on aura avec le président de club et la Ligue, et la Fédération. La question que je voudrais vous poser sur ce SMIC, est-ce que c'est respecté par le président de club? Vous savez, la Fédération a mis un cahier de charge qui est suivi. Donc aujourd'hui, la Fédération a un regard sur la subvention qui est allouée au club. Donc de ce côté-là, on n'a pas encore eu de retour. Mais on a des retours de certains clubs qui libèrent des joueurs. Vous savez, le problème qu'on rencontre, c'est qu'il y a certains joueurs qui, quand leurs contrats ne sont pas respectés, qui viennent pas vers la FIE. Et qui, je ne sais pas s'ils vont sur une remarque ou bien qui n'adressent pas de courrier à la commission des statuts du joueur. Si les joueurs prennent conscience qu'ils ont une association qui est là pour eux, je pense qu'il y aura moins de soucis de ce genre. Au niveau de la communication, parce qu'il y a certains qui estiment que vous ne communiquez pas beaucoup sur vos activités, donc ignorant un tout petit peu ce qui se passe du côté de la FIE. Oui, on ne communiquait pas beaucoup parce qu'on avait un axe. L'axe, c'était les joueurs. Au sein de la FIE Pro, on se disait qu'on communiquait vers les joueurs. Notre cible, là, c'était les joueurs. Donc on allait vers les joueurs. Quand on réglait les problèmes des joueurs, ça restait entre les joueurs, le club et nous. Et on rendait compte chaque année, on rendait compte à la FIFRO des dossiers qu'on avait réglés, des soucis qu'on avait rencontrés, des blocages qu'on avait au niveau de la fédération. Tout ça a été rendu compte à la FIFRO. Aujourd'hui, on nous demande de communiquer au grand public. Mais ce n'est pas notre cible, le grand public. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus remonter les informations à la FIFA Pro. Comment vous gérez ces cas? On les règle en Côte d'Ivoire. Si le joueur doit venir à la fédération, qu'il y a un souci, ben, le souci sera réglé à la fédération. Et puis le joueur, ben, s'il a des salaires qui sont impayés, ben, il perçoit ses arrêts de salaire. Puis, le plus important, c'est que le joueur soit bien, que le club aussi soit content. Parce que c'est vrai qu'on défend les joueurs, mais nous sommes partenaires. Nous sommes partenaires entre club et joueurs. Parce que le football, sans président de club, il n'y a pas de footballeur. Sans football, il n'y a pas de président de club. Donc c'est un partenariat. Et tout doit se faire en bonne intelligence. Alors, en tant que président de la FIE, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes footballeurs qui évoluent dans notre championnat? Que ça s'approprie leur association. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais leur association est bel et bien là, elle est toujours debout. Notre siège est là, il y a le personnel qui est là. Qui sachent que la FIE est bel et bien debout. Comme je leur disais, nous sommes la tête d'oreiller du footballeur. Nous sommes là pour écouter tous leurs problèmes. Et nous sommes là pour écouter leurs problèmes et pour les défendre. On ne promettra jamais ce qu'on ne peut pas faire. On fera toujours ce qu'on pourra faire. Cyril Demoreau, merci beaucoup. Je vous en prie.